Et la petite tête, bim, allez hop. Et la deuxième petite tête, bim, allez hop. Et la troisième petite tête, bim, allez hop. Et la quatrième petite tête, bim, allez hop. Voilà. Excuse-moi d'avoir douté de ton shit. Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Overwatch sur Counter-Strike Global Offensive. Installez-vous bien, le spectacle va commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple. Nous sommes les juges, nous devons regarder des joueurs qui ont été suspectés de cheat et nous devons déterminer si oui ou non ce sont des cheaters. Oh, les vilains garçons. Oh, attention. Ah, y'a quelqu'un. Ça aurait pu passer. Ah, ça passe pas. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, là, il l'a entendu. Paf. Ça meurt. Ok, d'accord. Bon, pour le moment, rien de bizarre. Tout est à fait, tout normal. Je sais pas ce que j'ai dit là. Hein. Ah. Lui, il est toujours là-bas. Est-ce qu'il va réussir à lui mettre la petite tête? Oh, une petite grenade. Peut-être que. Non. J'ai l'impression qu'ils savent quand même beaucoup ce qu'ils vont faire en face, hein. Il le suit un petit peu, non? J'ai l'impression. Non? Vous en pensez quoi? Hein? J'ai l'impression qu'il le suit un petit peu, tu vois, au niveau de la visée. On est reparti pour le round suivant. Nous sommes au quatrième round, d'ailleurs. Et on est toujours avec une AK. Attention, il y a un ennemi qui arrive juste ici. Est-ce qu'il le sait ou non? Ah bah oui, bah alors maintenant il le sait, hein. Tente de le rusher. Ça passe, ça passe. Ouais, ça va. Y a rien de bizarre sur cette action. Ah, là, il a entendu qu'on le tirait dessus. Paf. La petite tête. Cinquième round, il est toujours avec une AK. Il va flasher. Ah non, c'est une smoke. Y a un ennemi juste ici. Est-ce qu'il... Non, il l'a pas vu, on est d'accord. Ouais, il l'a pas vu, il me semble. Est-ce qu'elle passe, cette grenade? Oh oui, elle passe. Bien joué. Du coup, maintenant, il a l'info qu'il est là. Ok. Allez, la petite tête. Ouais, bon, alors pour le moment, je trouve qu'il est normal, hein. Il a rien de bizarre. Il a pas de shield, pas d'aimbot, pas de wallhack pour moi. Alors, attention. Ouh, il s'est pris des balles. Il a... Putain, ses deux potes sont morts. La grenade, aïe. Ouh, c'est pas passé loin, ça. Il y a un mec juste ici. Ouais. Il pouvait rien faire, il était complètement sandwich. Et du coup, c'est quoi qui est bizarre sur ce monsieur? Est-ce qu'il va activer son cheat après ou comment ça se passe? Le petit pré-shot là, je peux te dire qu'il me fait douter un petit peu là quand même. Petit pré-shot là au scope. Genre, je savais bien que t'allais arriver. Il va passer XT directement, il va même pas aller le chercher. J'ai l'impression, après c'est peut-être qu'une impression, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il suit très beaucoup ses ennemis du viseur. Là on l'entend, là on sait qu'il est là, enfin même moi je l'ai entendu, donc ça veut dire qu'il a l'info lui aussi. Ils sont en 2v3, ils sont pas... Ah non, ils sont en 3. Ouh, nice. Ah, attention. Pouah, ce qu'il lui met. Pouah là là, ce qu'il lui met. Du coup, est-ce que c'est un bon joueur ou est-ce qu'il a quelque chose? C'est chaud en vrai, hein. Il y a des moments, t'as l'impression il suit du viseur les ennemis. Des fois, t'as l'impression qu'il pré-shot vraiment bien en sachant qu'ils vont être là. Et pour moi, pour le moment, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas vraiment de preuve. On n'a pas de... Il fait pas de travers... travers monstrueux, de trucs vraiment bizarres. Je sais pas. Mais il va pas le montrer. En tout cas, s'il a un cheat, il le cache vraiment bien. Tu vois, genre, il prend souvent les bonnes lignes. Mais après, tu peux dire, bon, il pré-shot, il tente des choses, hein, aussi, hein, donc... Ouais. Je l'ai à peine vu, moi. Ah,
Monsieur est AFK, qu'est-ce qu'il fait? Hein, configure pas ton shit, c'est pas le moment. Il y en a juste à côté de lui. En bas, en bas, en bas. Il est à sa gauche. Allez, hop, ça dégage. Regarde, regarde. Après, tu me diras, c'est possible, hein. Y a peut-être rien du tout. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression... Tu sais, il sait où ils vont arriver, du coup, il regarde même pas ailleurs, il fait pas attention au reste. Mais d'autres fois, il regarde de partout, il check de partout. Ok, il y a peut-être une suspicion. Moi, je suis pas sûr. Bref, les potes, ça y est, c'est le moment du verdict. Donc, vous allez faire exactement comme moi. Comme c'est indiqué ici, il faut être sûr à 100%... pour dire si oui ou non il y a un cheat. Vous, vous avez en haut à droite de votre écran un petit sondage qui s'affiche et vous devez justement dire bah, si ce premier joueur cheat ou non. Donc vous faites exactement comme moi. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites non. Si vous êtes sûr à 100%, vous mettez oui. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas d'aide à la visée. Non, il n'y en a pas. Aide à la vision, preuve insuffisante. J'ai un doute, hein, je dis pas le contraire. Je doute peut-être à 70%, 80%, mais voilà, j'en suis pas sûr, donc on va mettre preuve insuffisante. Autre aide externe, preuve insuffisante également. Pour ce qui est du mauvais comportement, il a rien fait. Il a rien fait de... Il a pas TK, il a rien fait. Donc preuve insuffisante aussi. Et du coup, on va pouvoir voter, c'est parti, soumettre le verdict. Allez, nous sommes repartis pour un dernier petit monsieur. Et nous sommes sur Dust 2. Il vient de mettre une tête assez sale. Bon, par contre, il s'est fait soulever derrière. Mais attendez, on va voir ce qui se passe. Parce que Dust 2, c'est le repère des cheaters. Donc, méfions-nous. Qu'est-ce qu'il fait là? M'explique ce qu'il fait. Ouf. Allez hop, une petite tête. Ah bah oui, il te voit là, hein. On voit tes jambes. Oh, il lui a mis. Oh, dommage. Ça aurait pu passer. Ok, à travers, dans la tête, très bien. Oh, c'est pas passé loin ça. Il aurait tellement pu te la mettre là. Qu'est-ce qu'il va lui mettre lui là? Ouais, il lui met. What? Quoi? Je sais pas, mais ça me paraît quand même un peu louche tout ça. Attends, c'est pas fini. Montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y, montre-nous. Si, montre-nous. Non mais vas-y, regarde le plus à travers le mur aussi. Attention, il tape un rush. Il va les back, il va essayer d'arriver derrière eux pour tous les tuer. Qu'est-ce que ça va donner? Et la petite tête, bim, allez hop. Et la deuxième petite tête, bim, allez hop. Et la troisième petite tête, bim, allez hop. Et la quatrième petite tête, bim, allez hop. Voilà. Excuse-moi d'avoir douté de ton shit. Oh, c'est terrible. Oh là là, mais je suis désolé. Excuse-moi d'avoir douté. Excuse-moi. Eh oui, tu as un putain d'aimbot, mon gars. Allez hop, une petite tête. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes là pour voir du spectacle. Vous allez en avoir. Eh oui, ce joueur avec un... talent incertain. Allez, encore une petite tête. Il est très bon, il a un skill extraordinaire. Il va le cramer, non, il l'a pas cramé, voilà, bah c'est dommage. Aïe, allez, vas-y, allez, oui, tu sais qu'ils sont là. Non mais au pire, tire à travers, tu sais. Au point où t'en es, tu peux y aller, hein. Oui, tire là, oui, là. Comment tu t'es fait enculer? Oh là là, il t'a décalqué, mon pote. Non mais si, il a un aimbot, il a des à-coups de souris. Regardez, attention. Regardez. Bim, allez hop, traverse smoke. Une balle dans la tête, c'est fini. Attention mesdemoiselles et messieurs, c'est pas terminé. Allez, encore un, le dernier mon pote, vas-y, tu peux le faire. Voilà, il est là, tu le sais. Non mais arrête de jouer des flashs. Mais pourquoi tu joues des flashs? Tu m'expliques tout ça pour faire ça. Mais le spectacle n'est pas terminé. Toujours plus avec Tony FPS. C'est pas terminé, je vous assure. Regardez bien, vous allez en avoir plein les yeux. Plein les yeux à travers la fumigène. Deux fois de suite en headshot. Aïe aïe aïe. Non mais je vous le dis, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ce joueur est extraordinaire. Il a une chaise gaming. Aïe aïe aïe, attention le skill va parler. Oh bah ok d'ailleurs.
à travers le mur. Non mais oui, pourquoi pas. Et c'est l'heure de la manche décisive. Hein, attention, oh là là, il y a 4 Gugus qui sont là-bas, mais que va-t-il faire? Une fumigène? Pourquoi faire, vous allez me dire, mais bien sûr pour faire ça, mais oui. Allez, encore, toujours plus, putain. Oh merde, oh là 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 là, je veux pas voir ça, non mais non. Oh, allez, voilà, allez, et le dernier, je pense que tu peux y aller, Jean-Mimi. Vas-y, Jean-Mimi, allez, c'est le dernier, montre à tout le monde. Ah bah non, ce sera pas toi qui fera le kill, bah oui. Bref, les amis, après cette terrible et longue enquête que j'ai menée, il est l'heure du verdict. Je vous invite tous à voter en haut à droite de votre écran. Est-ce que ce joueur cheat ou non? Telle est la question. Répondez avec le plus d'objectivité possible. Si vous avez un doute, mettez non. Si vous n'avez pas de doute, mettez oui. De mon côté, il est temps, les amis, de vous donner mon verdict. Après tant d'attentes, je vais vous donner mon résultat. J'ai longuement hésité. J'ai vraiment, vraiment enquêté avec profondeur. Et du coup, je vais pouvoir vous dire, est-ce qu'il y a une aide à la visée? Je n'étais pas sûr, j'ai longuement hésité, mais au final, eh ben oui, il y a une putain d'aide à la visée! Nique ta mère! Pardon, voilà, ça s'est fait, Tony, calme-toi, une aide à la vision! Ah oui! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je pense qu'il y en a trop, moi! Descendons un petit peu au trade externe. Non, il n'y en a pas, malheureusement. Mauvais comportement. Non, toujours pas, hein. Il n'a pas fait de TK. Il n'a pas fait. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas eu de bunny, il n'y a pas eu de TK. Donc, voilà, ça s'arrête à là. Mais putain, il a une bonne aide à la vision avec une bonne aide à la visée, hein. Les deux combinés, ça fait une chaise gaming, mon pote. Oh, oh là là. Oh, le fabricant, il s'est fait plaisir. Elle est toute option. Je vous assure, il y a 8000 euros d'options sur la chaise. Bref, allez, on va arrêter les conneries. Les amis, c'est parti. Soumettre le verdict. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, les potes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On aura bien pété un petit plomb à la fin, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde, ciao, ciao, bye bye.